Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon. Oh, alléluia. Il est bon pour moi. Ah, je bénirai. Je bénirai. Jésus. Jésus. Je bénirai. Jésus. Je bénirai. Jésus est bon, alléluia. Jésus est bon, alléluia. Jésus est bon,
Seigneur Jésus. Commence à le dire merci. Commence à glorifier le nom du Seigneur Jésus. Commence à le dire merci. Commence à glorifier le nom du Seigneur Jésus. Regarde ses bienfaits dans ta vie. Regarde son amour dans ta vie. Regarde tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pendant la semaine. Dis-lui merci. Les enfants disaient merci au Seigneur Jésus. Priez. Disaient merci au Seigneur Jésus. Merci au Seigneur. Dis-lui merci. Le Seigneur t'a gardé. Il t'a donné le souffle de vie. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il y a des gens qui veulent être à ta place. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas. D'autres encore sont à l'hôpital. Mais le Seigneur t'a fait la grâce d'être là, d'être présent devant sa face. D'être présent. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ton foyer. Dis merci au Seigneur Jésus pour tes enfants. Dis merci au Seigneur Jésus pour ta famille. Dis-lui merci. Et lève la voix et dis merci au Seigneur Jésus. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur Jésus. La santé qu'il t'a donnée, c'est la grâce que tu as eue. Dis-lui merci. Si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est la grâce. Voilà pourquoi tu dois élever la voix. Voilà pourquoi tu dois adorer le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi tu dois le louer. Voilà pourquoi tu dois l'adorer dans la joie, dans la paix. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce que si tu es là encore aujourd'hui, c'est une grâce qui t'a accordée. Merci Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Le Seigneur veut voir. Il veut voir comment tu l'adores. Comment tu es reconnaissant. Le Seigneur veut voir cela en toi. Dis-lui merci. Père éternel, nous te disons merci. Seigneur Jésus, je te dis merci. Dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de ma famille, dans mon foyer, dans ton église, je vais te dire merci. Je vais te dire merci. Je vais te dire merci pour tes bienfaits dans nos vies. Toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui es toujours là, Père, je vais te dire merci ce matin. Je vais te louer, Seigneur Jésus. Je me repère ce jour-là. Je me repère ce jour. Oh Seigneur Jésus, là où j'étais dans les bornes. Mais Seigneur Jésus, tu allais me chercher. Et tu m'as envoyé, Seigneur, dans ta lumière. Seigneur Jésus, j'étais dans les ténèbres. Tu m'as fait sortir des ténèbres. Tu nous as fait sortir des ténèbres. Et tu nous as envoyé dans la lumière. Seigneur, je vais te dire merci. Je vais te dire merci. Je vais te dire merci. Je vais glorifier ton Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Père éternel. Je te dis merci. Élève la voix, dis merci au Seigneur Jésus. Élève la voix, dis merci au Seigneur Jésus. Oh, Père éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh. Merci Jésus, merci Jésus, oh, merci mon Dieu, merci mon Dieu, oh.
c'est toi Jésus. Ta présence est ta louange. Merci, c'est toi Jésus. Merci pour le sujet sur moi là aujourd'hui. Merci pour le sujet sur moi là aujourd'hui. Merci pour le sujet. Seigneur Jésus, ta présence est ta louange. Merci pour le sujet de vie. Alléluia. Gloire au Seigneur, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. La parole de Dieu déclare selon le livre de 1 Jean chapitre 1 à partir de verset 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Jésus-Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi, sur la base de cette parole, tu vas aller à la face du Seigneur. Demande pardon au Seigneur Jésus. Toi seul, tu le sais. Regarde, dans la semaine, tu le sais, ce qui s'est passé. Personne ne t'a vu, mais Jésus-Christ t'a vu. Voilà pourquoi, rentre à toi-même. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous. Seigneur. Père éternel. Voilà encore ton Père, Seigneur Jésus. Voilà encore ton Père devant toi ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, sur la base de ta parole, nous venons avec le cœur humble, avec un cœur d'humilité devant ta face, afin que nous puissions obtenir ta miséricorde. Seigneur, tu nous as dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Père éternel, nous voulons obtenir ta miséricorde, Seigneur. Voilà pourquoi ton Église est devant toi avec un cœur d'humilité en se prosternant devant toi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour nos actes, Seigneur Jésus. Pour tout ce que nous avons fait qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Dans notre palais, dans nos comportements, nous avons péché contre toi, Seigneur. Dans nos pensées, nous avons péché contre toi, Père éternel. Pardonne nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Père éternel, même là où nous avons négligé ton œuvre, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Seigneur, compassion de nous. Seigneur, compassion de nous. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie compassion, Seigneur Jésus. Aie compassion, Père éternel. Seigneur, nous nous prosternons devant ta face encore ce matin, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, fais-nous sortir de tous ces péchés qui nous fatiguent, Seigneur. Seigneur Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Pendant que tu demandes pardon, Seigneur Jésus, pardonne aussi à ceux-là qui t'ont offensé. Pardonne aussi à ceux-là qui t'ont fait du mal. Pardonne aussi à ceux-là qui t'ont maltraité. Pardonne aussi qui t'ont fait du mal. Même si tu connais les noms, tu peux citer cela. Jésus-Christ t'attend. Demande-lui pardon. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire,
si vous ne pardonnez pas à ceux-là qui vous ont offensé, moi aussi je ne pourrais pas vous pardonner. Tu vas demander pardon, mais en même temps tu vas pardonner à ceux-là qui m'ont offensé. Seigneur, je pardonne à tous ceux-là qui m'ont offensé. Je pardonne à tous ceux-là qui m'ont fait du mal, à ceux-là qui m'ont traité, qui ont dit toutes sortes de choses sur ma vie, Père éternel. Seigneur Jésus, je les pardonne, Seigneur. Je les pardonne afin que moi aussi je puisse obtenir ta miséricorde. Afin que moi aussi je puisse obtenir ton pardon, Seigneur. Je les pardonne, Père. Je les pardonne, Seigneur Jésus. Je les pardonne, Seigneur Jésus. Afin que moi aussi puisse voir ton salut. Pour ne pas être condamné, Père. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, je les pardonne, Seigneur. Je les bénis, Seigneur. Je les bénis, Père éternel. Je les bénis. Je les bénis. Je les bénis. Je les bénis. Je les bénis, Père éternel. Afin que la condamnation soit retirée sur eux, Père. Seigneur, même celui-là qui m'a fait du mal, que tu ne connais même pas, même dans les secrets. Je les pardonne, Seigneur. Je les pardonne, Seigneur Jésus. Je les pardonne, Seigneur Jésus. Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Ma vie qui n'est même pas correcte devant toi. Ma vie n'est même pas agréable devant toi. Je suis une pourriture devant toi, Seigneur. Mon cœur méchant, Seigneur Jésus. Mon cœur méchant, Père éternel. Je ne suis même pas digne, Seigneur Jésus. Je ne suis même pas digne, Père. Seigneur, je m'abandonne à tes mains. Parce que si moi-même je décide, je ne pourrais pas y arriver. Mais je te demande, Père, afin que tu viennes me soutenir, afin que tu viennes m'aider, afin que tu viennes aider ton église. Oh, Père éternel, ton église est devant toi, Père. Ton église est devant toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur. Père, compassion. Seigneur, compassion. Et compassion. Et compassion. Ta parole pouvait dire, selon le livre des Actes, chapitre 2, à partir de verset 42, que les apôtres persévéraient dans les enseignements. Ils étaient ensemble. Ils prenaient des communions fraternelles. Ils étaient tous ensemble. Et tu ajoutais à l'église. Parce qu'ils étaient un, Père. Nous t'en soumettons, Père. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie compassion, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu vas te lever. Purifie ton église. Tu vas te lever. Seigneur. Purifie ton église. Papa, pardonne ton église. Tu vas déclarer avec moi. Alléluia. Soyez fortifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas déclarer avec moi. Tu vas dire, oh Dieu, oh Dieu, il faut être disposé ce matin. Oh Dieu, oh Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi, dans ta bonté, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, selon ta grande miséricorde, Seigneur Jésus, efface mes transgressions, efface mes transgressions, lave-moi complètement, complètement, de mon iniquité, de mon iniquité, et purifie-moi, purifie-moi, de mon péché, de mon péché, car je reconnais, car je reconnais, mes transgressions, transgressions, et mon péché, et mon péché. Constamment, et constamment devant moi, Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre toi seul, j'ai péché contre toi et seul, et j'ai fait ce qui est mal, et j'ai fait ce qui est mal, à tes yeux, à Seigneur, tes yeux, Seigneur, en sorte que tu seras juste, que tu sois juste, dans ta sentence, sans reproche, de ton jugement, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, voici, voici, je suis né dans l'iniquité, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu, dans le péché, dans le péché. Seigneur Jésus, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, soit au fond du cœur. Seigneur Jésus, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, au-dedans de Seigneur moi. Jésus, Seigneur Jésus, purifie-moi avec l'hysope, avec l'hysope. Purifie-moi avec ton sang, avec ton et sang. Je serai pur, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc, et je serai
tu plantes, que la neige, que la neige. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, annonce-moi l'allégresse, l'allégresse, et la joie, et la joie, et les eaux, et les eaux, que tu as brisé, que tu as brisé, ce jurant, ce jurant, Seigneur Jésus, de tout ton regard, de tout ton regard, de mes péchés, de mes péchés, je t'en supplie, je t'en supplie, efface toutes mes iniquités, toutes mes iniquités. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, crée en moi, crée en moi, un cœur pur, un cœur pur, crée en moi, crée en moi, un cœur pur, un cœur pur, renouvelle en moi, renouvelle en moi, un esprit bien disposé, bien disposé. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'en supplie, je t'en supplie, ne me rejette pas, ne me rejette loin pas, loin de ta face, loin de ta face, ne me retire pas, ne me retire pas, Saint-Esprit, je t'en supplie, je t'en supplie, oh Dieu, regarde ma vie, regarde ma vie, ne me retire pas, ne me retire pas, ton Saint-Esprit, rends-moi, rends-moi la joie, la joie, de ton salut, de ton salut, et qu'un esprit, et ton esprit, de bonne volonté, de bonne volonté, me soutient, me soutient, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang, lave-moi par ton sang, commence à réclamer le sang de Jésus, le sang de Jésus, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Il va te laver. Réclame le sang de Jésus. Il va te purifier. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame son sang. Éternel, lave-moi. Réclame son sang. Seigneur, lave-moi par ton sang. Oh Jésus, lave-moi par ton sang. Lave ton peuple par ton sang, Seigneur Jésus. Lave-moi par ton sang. Seigneur, lave-moi par ton sang. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang. Le sang de la croix, Seigneur. Seigneur, lave-moi par ton sang. Le sang de la croix, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Réclame le sang de Jésus. Oh, purifie-moi. De te nettoyer, de te laver. Purifie-moi. Réclame le sang de Jésus. Purifie-toi. De te laver, de te purifier. Purifie-moi. Réclame le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus. Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Seigneur, lave-moi par ton sang. Purifie-moi, Seigneur Jésus. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang. Seigneur, lave-moi par ton sang. Ton sang. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur, lave-moi par ton sang. Au nom de Jésus. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, lave-moi par ton sang. Alléluia. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang, Seigneur Jésus. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang. Lave-le pas ton sang, Saint Jésus. Lave-le pas ton sang, Saint Jésus. Lave-le pas ton sang, Saint Jésus. Réclame le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Puis, avec autorité. Dieu essaie de te laver. Ton sang, Seigneur. Dieu essaie de te laver. Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave-moi pas ton sang. Lave-moi pas ton sang, Seigneur. Seigneur, lave-moi pas ton sang, Seigneur. Lave-moi pas ton sang. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi. Nettoie-moi, Saint Jésus. Nettoie-moi, Saint Jésus. Nettoie-moi, Saint Jésus. Alléluia. Nettoie-moi, Saint Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus qui nous a aidé. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Sois disposé ce matin. Tu vas réclamer le feu du Saint-Esprit. Tu vas réclamer le feu du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Tu vas réclamer l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Tu vas réclamer le feu du Saint-Esprit. Il va faire son entrée ce matin. Voilà pourquoi sois disposé en ce moment. Fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, le toit brillant du matin, fais ton entrée, oh, fais ton entrée. Fais ton entrée,
ton entrée, fais ton entrée. Tu vas réclamer le feu du Saint-Esprit. Tu vas réclamer le feu du Saint-Esprit. Commence à réclamer le feu du Saint-Esprit. Dis au Seigneur Jésus de te remplir de son feu. Dis au Seigneur Jésus de te remplir de son feu. Dis au Seigneur Jésus, Seigneur, remplis-moi par ton feu. Seigneur Jésus, remplis-moi par ton feu, Seigneur Jésus. Que ma bouche soit feu, Seigneur Jésus. Remplis-moi par ton feu, Seigneur Jésus. Remplis-moi par ton feu. Seigneur Jésus, remplis-moi. Remplis-moi par ton feu, Seigneur Jésus. Remplis-moi par ton feu. Seigneur, sature ce lieu par ton feu. Sature ce lieu par ton feu. Sature ce lieu par ton feu. Que ton feu maintenant, Seigneur Jésus, descend à ce lieu. 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 Père éternel, maintenant, remplis-nous par ton feu, Seigneur Jésus. Remplis-nous par ton feu, Seigneur Jésus. Remplis-nous par ton feu. Remplis-nous par ton feu. Remplis-nous par ton feu. Que ton feu descend maintenant. Que ton feu descend maintenant. Le Saint-Esprit descend. Au nom de Jésus. Père éternel, remplis ton peuple. Remplis ton église. Sacrifie ce lieu par ton feu. Au nom de Jésus. Remplis ce lieu par ton feu. Remplis ce lieu par ton feu. Remplis ce lieu par ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Remplis ce lieu. 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 Au nom de Jésus qui n'a pas été. Remplis ce lieu par ta présence. Remplis ce lieu par ta présence. Remplis ce lieu par ta présence. Seigneur, descends ton feu maintenant. Descends ton feu maintenant. Descends ton feu maintenant. Que ce lieu soit saturé par le feu du Saint-Esprit. Que ce lieu soit saturé par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Ça descend maintenant. Au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Père éternel, relâche ton feu. Relâche ton feu. Libère ton feu. Libère ton feu. Libère ton feu. Descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Par ta présence. Au nom de Jésus. Réclame le feu du Saint-Esprit. 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 Réclame le maintenant. Réclame le maintenant. Réclame le maintenant. Réclame le feu du Saint-Esprit. Réclame le feu du Saint-Esprit. Dieu sait de te remplir. Dieu sait de te remplir. Dieu sait de te remplir. Remplis-moi, Seigneur Jésus. Remplis-moi par ton feu. Remplis-moi par ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Ça descend maintenant. 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 Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Le feu du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous par ton feu. Remplis-nous par ton feu. Remplis-nous par ton feu. Remplis-nous par ton feu. Remplis-nous maintenant. Remplis-nous par ton feu. Remplis-nous par ton feu. Seigneur Jésus, descends ton feu. Descends ton feu maintenant. Descends ton feu maintenant. Descends ton feu. Descends ton feu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je t'en supplie, sois disposé. Ne laissons la distraction te prendre ce matin. Sois vraiment disposé. Parce que lorsque tu es distrait, ce qui sort de l'autre, celui qui est disposé, ce qui sort de lui, toi qui es distrait, ça rentre dans ton corps. C'est ça le spirituel. Voilà pourquoi il faut être disposé. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Paix éternelle. Je viens devant toi ce matin. Seigneur Jésus, localise-moi. Localise-moi. Je suis fatigué, Seigneur. Paix éternelle. Regarde ma vie. Regarde ma vie. Descends par ton feu. Descends par ton feu. Descends par ton feu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Libère ton feu. Suis mon corps maintenant. Suis mon corps maintenant. Suis mon corps maintenant. Suis mon âme. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Descends ton feu maintenant. Descends ton feu maintenant. Tout esprit. Tout esprit. Qui m'a accompagné. En ce lieu. Je t'ordonne de lâcher ma vie. De lâcher ma vie. Tu sors de ma vie. Tu me quittes. Sauter. 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 Lâchez mon corps maintenant. Lâchez maintenant. Libérez-moi maintenant. Sautez maintenant. Sautez maintenant.
Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare maintenant. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La lourdeur. La lourdeur. La lourdeur. La lourdeur. Tu as été injecté. Tu as été injecté. Lorsque je dormais. Lorsque je dormais. La fatigue. La fatigue. Tu as été injecté. Lorsque je dormais. Lorsque je dormais. Le sommeil. Le sommeil. Tu as été injecté. Tu as été injecté. Lorsque je dormais. Lorsque je dormais. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Tu as été injecté. Lorsque je dormais. Tu m'as péché. Tu m'as péché, je t'adore, je t'ai loué. Au chantier maintenant, je déclare que ton feu, que ton feu descend maintenant, descends-moi, descends-moi. Feu, 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 feu. Chacun n'est qu'à prier pour lui-même. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Père éternel. Père éternel. Toute mauvaise semence. Toute mauvaise semence. Qui m'a été injecté. Qui m'a été injecté. Père éternel. Éternel. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Mauvaise semence. Mauvaise semence. Sorte-moi. Sorte-moi. Lâche-moi corps. Sorte-moi. 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 Lâche-moi. Lâche-moi corps. Lâche. Sors. 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 Maintenant. Sors. Maintenant. Sors. Maintenant. Sors. Maintenant. Sors. Ressorti. Sors. Sors. Au nom de. Lâche. Au nom de Jésus. Père éternel, relâche ton feu maintenant. Au nom de Jésus. Relâche. Libère ton feu maintenant. Libère ton feu. Libère ton feu maintenant. Libère ton feu. Libère ton feu maintenant. Libère ton feu. Que les mauvaises démons commencent à sortir. Ça sort. Ça sort. Commence à sortir. Ça sort. Commence à sortir. Lâche. Commence à sortir. Lâche. Libère. 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 Sors de toi. Lâche. Sors de toi. Lâche. J'entends maintenant. Ça sort. Les mauvaises démons. Ça sort. Que lâche maintenant. Au nom de Jésus. Il sort de toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pour fermer les yeux, tu as prié. Il faut que tu sois connecté au Saint-Esprit de Dieu. Il faut que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui te fatigue doit te quitter. L'Esprit qui te dérange doit te quitter. Aujourd'hui même, si tu es disposé, le Saint-Esprit va descendre. L'Esprit de Dieu va descendre. Le Dieu tout-puissant, le feu dévorant va descendre. Voilà pourquoi sois disposé ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare maintenant. Je déclare. Tout esprit. Tout esprit. Tout esprit. Tout esprit. Qui refuse. Qui refuse. De me quitter. De me quitter. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Tout esprit méchant. Tout esprit méchant. Qui refuse. Qui refuse. De me lâcher. De me lâcher. L'homme fort. L'homme fort. L'homme fort. L'homme fort. De ma famille paternelle. De ma famille maternelle. De ma famille maternelle. T'empêche. T'empêche. De t'adonner. De t'adonner. D'enfoncer. D'enfoncer. J'entends maintenant. L'homme fort. Je déclare au nom de
Seigneur Jésus, je déclare maintenant je déclare que ça sorte de moi. 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 Maintenant. Seigneur Jésus. Je déclare maintenant, je déclare, au nom de Jésus, nom de Jésus, que toute chaîne satanique, qui me retient captif, aujourd'hui même, Je vous ai donné pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions,
parole chou aujourd'hui. Tu vas dire Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Tout homme fort. Tout homme fort. Tu es pour de cette église. À cause de ma prière. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Toutes les flèches. Que tu relâches. Dans les airs. Aujourd'hui. J'en veux le feu. 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 Je déclare tout esprit de mort qui travaille dans l'ombre,
Je travaille dans l'ombre. Maintenant, lâchez ma maison. Lâchez ma vie. Lâchez ma vie. Sortez maintenant. Tout esprit de mort dans ma famille. Sortez maintenant. Je déclare à l'instant que tout esprit d'initiation à la sorcellerie sur tous ses enfants, je déclare maintenant. Maintenant que le feu descend. Que le feu descend maintenant. Tout esprit d'initiation à la sorcellerie, j'entends maintenant. Je brise l'initiation. Je casse l'initiation. Je détourne l'initiation. Je la brise maintenant. J'annule toute initiation sur la vie de tous ces enfants. Au nom de Jésus, que ce soit ici ou ailleurs, tous ces enfants maintenant, toute initiation à la sorcellerie, soit brisée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dispose-toi. Seigneur Jésus, fais ton entrée. Non, sois disposé. Le Saint-Esprit ne va pas ton cadeau. Au nom puissant de Jésus, Père, fais ton entrée. Seigneur Jésus, fais ton entrée. Commence à toucher tes enfants. Père, télémètre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, maintenant, commence à libérer. Nous t'avons invoqué. Père, tu commences à libérer. Commence à libérer. Commence à libérer par ton feu. Commence à libérer maintenant. Commence à libérer maintenant. Que les chaînes maintenant soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient cassées. Que les chaînes soient détruites. Au nom puissant de Jésus. Toutes chaînes de maladie qu'ils ont mis dans ton corps. Les chaînes de mort soient brisées maintenant. Soient brisées maintenant. Soient brisées maintenant. Je déclare au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit maintenant. Commence à saturer ce lieu. Maintenant, maintenant, maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tout commence à sortir. Ça commence à sortir. Ça commence à sortir. Tout ce qui n'est pas du Seigneur Jésus. Le feu descend maintenant. Le feu descend maintenant. Il sort par tous les chemins. Au nom puissant de Jésus. Que ce soit appellement. Le vomi. Oui, les gaz. Les transpirations. Oui, il sort maintenant. Par les larmes. Il sort maintenant. Il commence à descendre. À l'instant, il descend dans les abysses. Au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant au nom de Jésus, toute flèche qui était relâchée sur ta vie, oui, pour t'empêcher, toute flèche de maladie, toute flèche de mort, aujourd'hui même, pour te retenir en esclavage, je déclare maintenant que tous ces seins soient brisés. 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 Sois brisé maintenant. Je déclare que l'esprit de mort qu'ils ont lâché sur ta vie. Aujourd'hui même, le sang de Jésus coule maintenant. Il commence à effacer. Il commence à effacer toute écriture de mort. Lui maintenant, je déclare au nom de Jésus Christ que le feu descend. Le sang descend. Il commence à effacer. 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 Il commence à effacer toute écriture de mort qu'ils ont fait. Ou tous les décrets de mort. Lui maintenant dans le monde des sceaux. Dans le monde des esprits de méchants. Lui dans le monde astral. Dans le monde de la sorcellerie. Je déclare maintenant au nom de Dieu que tous ces décrets maintenant soient brisés. Soient brisés. Soient brisés. Soient brisés. Soient brisés. Soient brisés. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tout blocage qu'ils ont collé sur ta vie, tout retard qu'ils ont collé sur ta vie, tout esprit méchant qu'ils ont collé sur ta vie, pour te suivre là où tu pars, pour surveiller tes pas, je déclare maintenant que le feu descend maintenant, que le feu descend maintenant, avec son épée, qu'il commence à les tailler, qu'il commence à les tailler. J'ordonne maintenant que tout ce qui n'est pas du Seigneur Jésus commence à sortir, 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 par le feu, 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 il sort maintenant, par le paiement, par le vomi. J'ordonne maintenant au nom de Jésus que tout ce qui n'est pas du Seigneur Jésus, il sort de toi maintenant, il sort de toi maintenant, il sort de toi maintenant. Il sort de toi maintenant. L'esprit de mort te lâche. L'esprit de malade te lâche. Il sort de toi. Maintenant, partez, partez, partez. Allez-y, sortez maintenant. Partez dans les abîmes. Je vous ordonne à l'instant. Allez-y, partez maintenant. Lâchez le corps. Feu, 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 feu. Nous brisons vos passes au nom de Jésus. Lâchez le corps maintenant. Je vous entends de lâcher, bis. Maintenant, même. Lâche. Lâchez le corps. Lâche. Feu. Feu. Lâche. Feu. 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 Père éternel, descends par ton feu. Descends par ton feu. Libère encore tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, libère encore tes enfants. Les chaînes, Seigneur Jésus.
qui sont utilisés, les cordes du monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, qui sont faits pour t'attacher. Aujourd'hui même, le Père du Saint-Esprit descend. Il commence à couper les chaînes. Il commence à couper les cordes. Il commence à les couper. Il commence à les couper. Au nom de Jésus. Je donne maintenant que toute maladie sort de toi. Là où cette maladie est cachée dans ton corps, je donne maintenant que ça sort. Oui, maintenant, maintenant. Je donne le feu du Saint-Esprit. Il descend maintenant. Le feu du Saint-Esprit. Maintenant, maintenant. Le Saint-Esprit te visite. Il visite tous ses enfants. Au nom du Saint-Esprit. Le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit. Je donne maintenant. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit descend. L'Esprit de Dieu descend maintenant. Il commence à te localiser maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, le feu du Saint-Esprit. Il descend, il descend, il descend. Pendant que tu es disposé, regarde, le feu descend en toi. Ce feu descend en toi. L'Esprit de Dieu descend. L'Esprit de Dieu descend. L'Esprit de Dieu descend. L'Esprit de Dieu descend. Père éternel, restaure tes enfants. Touche-toi, restaure, touche-toi. Lèche-toi, Saint-Jésus. Toute maladie dans le corps de ta servante, je donne au nom de Jésus. Qui sort d'elle maintenant. Qui sort d'elle maintenant. Qui sort d'elle maintenant. Qui sort d'elle maintenant. Tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de ta servante maintenant, je donne au nom de Jésus. L'esprit de mort, Seigneur Jésus qui la guette, je donne maintenant. Sois brisé 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 maintenant. Je donne maintenant. La libérer, vous partez dans les abysses au nom puissant de Jésus. Vous sortez d'elle maintenant. Père éternel, fais couler ton sang sur ta vie maintenant. Père éternel, je t'en supplie. Que ton sang descend. Le sang de Jésus. 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 Fais couler ton sang maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi maintenant. Seigneur Jésus, maintenant, sois nettoyé par ton sang. 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 Au nom de Jésus, Père éternel, que ton feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, Père éternel, maintenant, tu l'as rempli de ton feu. Seigneur, tu remplis cette salle par ton feu au nom du Saint-Esprit. Seigneur, tu remplis maintenant. Tu remplis maintenant. Tu remplis maintenant. Père éternel, nous t'avons invoqué. Que ton feu descende maintenant. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Au nom puissant de Jésus. Que ton feu descende maintenant. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, maintenant, maintenant. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Père éternel. Le feu du Saint-Esprit. Soyez disposé. Soyez disposé. Soyez disposé. Soyez connectés au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur, libère ton feu maintenant. Libère ton feu maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, dans la vie de chacun ici. Père, dis-le maintenant, descends ton feu maintenant. Libère, Seigneur Jésus, descends maintenant. Libère au nom de Jésus. Seigneur, descends maintenant. Libère chacun de nous, Père éternel. Maintenant, que ton feu descend maintenant. Père éternel, descends par ton feu. Descends par ton feu. Descends par ton feu. Descends par ton feu. Libère maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, libère ton peuple, Seigneur Jésus. Libère ton peuple, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, libère ton peuple, Seigneur Jésus. Je proclamerai son nom, partout j'irai. Je proclamerai son nom.
Yeah.
Je suis un peu plus de temps.
Alléluia. Tu vas te disposer. Tu vas fermer tes yeux, tu vas prier. Le Seigneur te dispose à entendre sa parole. Le Seigneur, encore aujourd'hui, je veux recevoir la nourriture solide de ta part. Tu vas être au serviteur qui t'offre la parole. Yes.
simplement, parce que le vent qui était soufflé représente simplement la paix que Pierre a reçue. Alléluia, c'est ça qui a envoyé le doute. Parce que le doute du vent, c'est qui vient semer le doute. Voilà pourquoi Pierre a commencé à s'enfoncer dans la mer. Alléluia. Mais pendant que Pierre s'enfonçait dans la mer, il a crié au Seigneur Jésus-Christ pour que le Seigneur Jésus-Christ le sauve. Alléluia. Donc ça veut dire dans ta marche, il y aura des temps difficiles. C'est ce que nous avons dit dimanche passé. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons entrer dans l'une de la nature. On va faire le même de la nature. Je vais dire rapidement pour aller. Matthieu 13. Je suis dans Matthieu 13. Je commence à partir du verset 9. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attendre. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Les disciples s'approchaient et lui dit, pourquoi les parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Et que cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même celui qui a. Même ce qu'il a, autant pour moi. C'est pourquoi je les parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en attendant, ils n'attendent ni ne comprennent. Ça veut dire lorsque le Seigneur dit que celui qui a des oreilles doit attendre à temps. Ça veut dire que tu attends à ton temps. Alléluia. Au verset 14, il dit, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles. Ils ont fermé les yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Qu'ils n'attendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. Et que je ne les guéris. Lorsqu'on parle de guérison ici, c'est ceux qui sont malades. Or, lorsque tu as les oreilles que tu n'entends pas, c'est que tu es malade. Alléluia. Parce que l'oreille, le but d'oreille, c'est que c'est pour attendre, c'est pour écouter. C'est pour attendre la parole. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole, il dit, mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles attendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ils n'ont pas vu. Attendre ce que vous attendrez, et ne l'ont pas attendu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais ce matin, nous allons parler de semer. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. C'est important pour les enfants de Dieu. C'est pas ça, je sais que tu le lis à chaque moment. Ou bien peut-être tu as déjà dit. Mais c'est important de répéter. Parce qu'on dit que la répétition est pédagogique. C'est important de répéter. Or, la répétition de la parole, c'est l'eau que nous versons sur la sémence que nous avons plantée dans la terre pour que cette sémence ou cette parole puisse croître ou grandir ou germer. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas l'eau, vous allez voir que le planteur qui a planté la sémence, que ce soit des graines de maïs, s'il plante ça, s'il n'arrive pas, ça ne va pas pousser. Voilà. Alléluia. Or, l'eau que le planteur rose à chaque moment, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Sois vraiment attentif, c'est très important. On va parler de Luc.
C'est le même verset, même dans le livre de Matthieu que nous avons lu, c'est la même chose, et ça est dans le livre de son. On va lire ce côté de Luc. Les écoutis sont des amis. Ils ne se bagagent jamais. Ils sont des frères. Alléluia. Luc chapitre 8. Déjà, on connaît déjà ça, mais on va aller directement sur le verset 11. Eh bien, je commence à partir du verset 5 pour qu'on puisse comprendre la parabole. Je lis au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 8, à partir du verset 4, je commence. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Je suis dans le livre de Luc chapitre 8. À partir du verset 4. C'est bon pour tout le monde. Amen. Pour qu'on puisse aller ensemble. Amen. Un semeur sortit pour s'aimer. Sa semence, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangeaient. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crûent avec elle, et le tout fait. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour attendre, attende. Alléluia. Ses disciples lui demandaient ce qui signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en attendant, ils ne comprennent point. Au verset 11, voici ce qui signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons parlé de la semence tout à l'heure. Que la semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent puisque le diable vient et enlève de leur cœur la parole de paix qui ne croit et soit sauvé. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils attendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant attendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruit qui vient en maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu ici que c'est. On parle de quatre groupes. Alléluia. Ici, il y a quatre groupes. Il y a quatre groupes de semences. Semences. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, on parle de quatre personnes
faut vraiment être attentif. Au verset 12, la Bible dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent plus le diable. Ça veut dire qu'ils attendent la parole, plus le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils les croient et soient sauvés. Ça veut dire ceux-là qui sont sur le long du chemin, c'est ceux-là qui attendent la parole. Mais puisqu'ils ne comprennent pas, le diable vient et il enlève cette parole. On peut attribuer ça à ceux-là qui sont au dehors que nous allons évangéliser. Le long des chemins. Alléluia. Parce que lorsque quelqu'un attend la parole du royaume et qu'il ne comprend pas, il ne faut pas qu'il puisse croire et soit sauvé, le diable automatiquement il vient, il retire la semence qui était plantée. Or, pour que la parole puisse croître dans la personne, il faut que la personne commence à s'attacher à la parole. Lorsqu'il s'attache à la parole, c'est là que le Seigneur Jésus le dirige vers là où il veut qu'il soit sauvé. Alléluia. Parce que le diable vient pour enlever la semence en elle ou en lui. Alléluia. On n'aime pas qu'il croit et qu'il soit sauvé. C'est ceux-là qui sont au dehors que nous partons évangéliser. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, au verset 13, il dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsque attendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. À partir du deuxième groupe, troisième groupe, jusqu'à quatrième groupe, parle de l'église. Alléluia, voilà pourquoi il faut être attentif. La Bible dit que la semence qui était mise, qui est tombée dans les épines, excusez-moi, sur le roc plutôt, sur le roc, ce sont ceux qui attendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux. Ça veut dire qu'ils attendent la parole, ils reçoivent la sainte doctrine avec joie. Mais eux-là, ils croient pour un temps. Tu reçois la sainte doctrine. Mais la semence qui était déposée, et ils croient pour un temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de racine. Alléluia. Parce que pour que tu puisses avoir la racine, il faut que le raisonnement sorte de toi. Alléluia. Il faut que tu dois avoir le cœur d'un enfant, ça veut dire l'humilité. Parce que si tu n'as pas ça, tu ne peux jamais avoir la racine. Même lorsque la parole va descendre, ça tombe. C'est comme le bois de maïs. Quand tu plantes, même les petits bois qu'on plante au village là-bas, quand tu plantes comme ça, quand ça n'a pas de racine, le jour que le vent va souffler, c'est de ça qu'on a parlé d'image, le vent. Lorsque le vent va souffler, le bois va tomber. Parce qu'elle n'a pas de racine. Parce qu'elle y croit pour un temps. Mais lorsqu'il y a la tentation, lorsqu'il y a la persécution, une petite tribulation, le vent les emporte. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour cela dans la sainte doctrine. Ne sois pas étonné que tu vois quelqu'un aujourd'hui, il est là et demain il part. Non. Il n'a pas de racines. Est-ce que tu comprends? Vous ne pouvez pas être étonné. C'est comme ça. Jésus a dit, selon le livre des Deutéronome, quand tu as parlé verset 19, Jésus, mais je mets devant vous la vie et la mort. Jésus nous a dit, choisis la vie pour que tu vives. Lorsque tu reçois la sainte doctrine, tu as joie. Laisse cette joie-là demeurer en toi. Parce que si cette joie ne demeure pas en toi, c'est cela pour un temps. Or, le temps, c'est pour cela la dernière fois nous avons parlé de la marche de Pierre vers Jésus, c'est tout un temps. C'est tout un temps. Voilà pourquoi ne laisse pas l'ennemi récupérer la racine que tu attends de préparer par la parole. Alléluia. Soyons fermes.
notre maison doit s'arrêter sur le roc et Jésus-Christ lui-même. Et il croit pour un temps. Parce que le raisonnement est fatigué. Parce que regarde, lorsque le raisonnement est fatigué, lorsque tu raisonnes, ou bien lorsque tu reçois la parole, mais ça ne descend pas en toi. Il faut commencer à comprendre que tu es facile. Le jour où il y a la tribulation, le jour où ils vont parler de. Ils vont dire, ah, Jésus, il est venu à faire ça. Le jour là, toi, tu as sorti de l'église. Ah. Ça veut dire que tu n'as pas la racine. Maintenant, tu vas sortir de l'église, tu vas où? Tu vas chez Kabuka. Comme la loi. Alléluia. Ou bien tu vas aller où? Chez ABD. ABD. Où femme prêche là? La sédition. Alléluia. C'est pour cela qu'on vous dit tout le temps que le dépouillement n'est pas la saine doctrine. C'est juste une petite chose. Ça veut dire Dieu, quand il t'a créé, tu étais naturel. Voilà. Maintenant, toi, tu n'as pas fait la volonté de Dieu, tu as fait toi-même ta volonté. Pourquoi? Ça veut dire, quand Dieu t'a créé, tu étais naturel, tes oreilles ne sont pas percées. Tu étais noir. Tu étais clair. Toi, tu veux devenir. Alléluia. Amen. Donc, moi, j'étais noir. Dieu m'a créé, je suis noir. Maintenant, je commence à grandir. Je dis, ah, mais attends, bon. Ah, je suis tout noir. Ils m'ont dit, comme il y a mes petits-fils qui ont dit, ah, tonton, on n'a pas changé. Tonton est noir. Tonton est toujours noir. Elle dit, comme je suis en Europe, il doit donner bling-bling. Oui. Il m'a envoyé même audio, tout le monde a été parlé. Oh, bah, non, ils m'ont vu sur Facebook. Ils m'ont vu sur Facebook, là, on a été évangélisé. Ah, tonton est toujours même chose, il est toujours noir. Vous voyez? Donc, on est né noir, on doit rester noir. Mais une fois que toi, tu commences à faire ta volonté, ce n'est plus la volonté de Dieu. Mais le jour où tu vas aller tourner, Jésus t'attend là-bas. Quand il va te raconter, Dieu, viens ici. Comment je t'ai créé? Donc, tu retournes là-bas. C'est ça le dépouillement. Pourquoi quelqu'un va vous tromper à faire le dépouillement? Non. C'est ça le dépouillement. Amen. Donc Dieu veut qu'on revienne dans notre position initiale. Amen. Alléluia. Amen. C'est même pas vrai de dire, ah j'ai dit. Non, Dieu veut que tu viennes là-bas. Amen. C'est comme ça qu'il t'a créé, viens là-bas. C'est clair. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas prendre des prières et puis essayer de séduire le peuple. Il y a une femme qui a des combats. Oh, non. Qu'est-ce qu'il n'a pas de dire? Alléluia. Femme ne doit pas prendre autorité. Ce n'est pas un esclavage. Mais ce qui la parole de Dieu a du mal à respecter. Alléluia, va-t-il. Mais les femmes ne prêchent pas, ils dirigent. Ils dirigent. Ok, d'accord, regardez. Ils sont sur la chaîne et puis ils dirigent. Je suis là. Va, mon frère, ça vous dit qu'à ça. On dit qu'il est tout seul dans l'église. Voilà les femmes qui sont assises. Et il y a une soeur qui est là. Tu vas élever la voix. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ. La femme dit à sa voix, tu vas élever la voix. Tu vas dire merci au Jésus-Christ. Elle fait quoi? Elle ordonne. Elle ordonne. Alléluia. Parce que lorsqu'un homme s'arrête ici, il prend l'image du Seigneur. Mais lorsque une femme s'arrête ici, il prend l'image de qui? Jézabel. Amen. Au fait, c'est clair. Ils vont te dire, au fait, c'est ça, ils ne veulent pas de raisonnement. C'est ça, ils ne veulent pas de raisonnement. Parce que, ils vont dire, non, mais Dieu va répandre son esprit sur tout cher. Oui, on sait, tout cher. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout le monde va prophétiser, non. Ça, on parle de dons. On n'a pas dit tout le monde va venir s'arrêter ici pour donner, pour prendre autorité. Non. Au fait, c'est l'erreur. Mais je ne sais pas pourquoi. Il n'arrive pas à comprendre le livre d'éternité. Il ne prend jamais le livre d'éternité. Il ne prend jamais ça. Mais ils vont prendre le livre de Joël 2, verset 28. Pour vous donner. Dieu répond, ils vont prendre même le livre de Galates aussi. Qui dit que non, il n'y a ni grec, ni juif.
Mais il ne comprenait pas ce verset. La femme peut prêcher sous l'autorité d'un serviteur de Dieu. La femme. Pendant que les hommes sont à l'église. Même modératrice. Voilà, c'est modératrice qu'elles font. Il n'y a pas modératrice. Parce que la femme a son rôle, c'est clair. Dans le livre de Tite, chapitre 2, la femme a son rôle. C'est des femmes, vous êtes assis. L'autre, le gars qui prend la parole, elle prend la parole de Dieu, elle commence à donner exhortation. Entre vous les femmes, la parole de Dieu l'a dit. Comment vous devez vous comporter à la maison? Comment vous devez faire dans la maison? Comment vous devez vous occuper de vos enfants? C'est ça la femme. La femme peut faire. Mais une fois qu'il y a un homme, attention, dans l'église, mais quand il y a une émission, ou bien peut-être un petit croisade pour les femmes, l'homme peut être là, non, pas la caméra, mais on dit une émission des femmes. Voilà. Parce qu'il y a vu quelques personnes, vous savez, ceux qui sont des réveils ou qui sont de l'église, c'est eux qui attaquent encore l'église. Tu n'attaques pas, un homme, tu attaques Jésus. La même personne, les mêmes personnes qui sont sorties ici. Ils attaquent pendant que les femmes attendent de faire les émissions, et émissions des femmes. Depuis quand femme prêche? Oh, tu étais dans le salle, tu sais, donc tu n'as jamais dit ça. Alléluia. Vous êtes animé de quel esprit? C'est ça le problème. En fait, c'est ça, quand je dis, quand tu sors de l'église, d'autres même disent, je ne suis pas sorti de la vergerie, mais je suis sorti de l'église. L'esprit qui t'a fait sortir de l'église, c'est quel esprit? C'est la question qu'il faut te poser. C'est quel esprit? Donc toi, tu ne peux pas supporter. Ça veut dire le réprimande. Ça veut dire qu'on ne te passe pas, tu ne peux pas accepter. Maintenant, tu vas aller au ciel, tu vas aller vivre avec lui. Hein, Jésus? Ah, non. En fait, il faut qu'on soit clair. Ça veut dire qu'il faut que tu acceptes. Regardez, même tout ce qu'on a fait dans l'église. Là, ma soeur, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ce qu'on a fait là. Ça, c'est petit. Mais le jour où ils vont prendre Kalash. C'est le jour où tu vas avoir les vraies persécutions. C'est là que tu vas oublier ce que ta soeur t'a fait. Même ta soeur qui t'a dit mal, qui t'a parlé mal, tu vas oublier ça. Quand tu vas voir ça, tu vas oublier ça. Donc ça me donne petites choses d'autres nettes là, d'autres même s'ils lèvent comme ça, on dirait non. Il y a un langage qu'on ne doit plus prononcer. Si j'étais dans le monde, j'allais faire ça. On ne prononce plus ça. Quand tu es dans la sainte doctrine, on ne prononce plus ça. Il a déjà prononcé quand tu dis ça, non? Oui. Parce que déjà, le monde, tu as appelé le monde. Si j'étais dans le monde, j'allais. Non, on ne dit plus les choses comme ça. C'est fini. Alléluia. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent changer de langage. Alléluia. Voilà pourquoi il dit la parole que tu attends. La parole que tu attends aujourd'hui, je t'en supplie. Laisse ça descendre en toi. Et c'est qu'il y a un feu qui descend, c'est parce que je le sens. Laisse ce feu-là descendre en toi. J'aime quelque chose en toi. Nettoyer quelque chose en toi. Construire quelque chose en toi. Déposer quelque chose. Parce que la parole de Dieu vient pour abattre, pour arracher. Lorsqu'elle arrache, elle arrache toutes ces semences, ces mauvaises semences, la théologie, tout ce qu'ils ont déposé dans ta tête. Elle arrache tout. La vraie semence descend. La sainte doctrine il descend, il commence à grandir petit à petit. Pendant que l'eau commence à arroser, la parole, l'eau, ça descend. Chaque dimanche, chaque semaine que tu écoutes la sainte doctrine, ça commence à grandir. La semence maintenant, ça veut dire la racine maintenant, commence à prendre maintenant le feu. Il commence à s'arrêter maintenant sur le roc. Il commence à grandir, il commence à grandir. Tu as arrêté. Lorsqu'il y a un vent, tu ne tomberas pas. Amen. Il faut que ce feu-là entre en toi aujourd'hui. Ma soeur m'a dit ça, moi je suis énervé. Ça là, c'est dans le monde. C'est déjà passé. Toi, tu as déjà dépassé ça. Ma soeur m'a dit ça, moi je dis, non, ça, tu as déjà dépassé. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est juste un. Parenthèse, on allait. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes au verset. Je relis encore, je viens encore sur le verset 13.
Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils attendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racine, ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Alléluia. Ils n'ont pas de racine. Ça aussi, ça parle des chrétiens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire à l'église. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus chercher à l'église. Et ils viennent simplement à l'église. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire à l'église. Parce qu'ils n'ont pas de racine. Parce que quand tu n'as pas de racine, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es venu faire. Parce que toi, tu as la racine. Toi, tu as des racines. Ta racine est là. Tu sais ce que tu es venu faire à l'église. Parce que quand tu viens là, tu sais que quand je viens à l'église, tu sais que quand je sors déchargé. Le Seigneur me bénit. C'est parce que le Seigneur ouvre pas vos yeux ici. Je vous assure, quand le Seigneur ouvre vos yeux, même pendant que tu récupères ma bénédiction, je récupère tout ce qui m'appartient. Ce sont les choses spirituelles. Quand tu dis des choses comme ça, tu es un enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui croient en lui, qui a reçu son nom, les gens ne pouvoir devenir enfant de Dieu. Or, tu es un enfant du fait divin. Lorsque tu commences à dire, j'arrache ma bénédiction, j'arrache tout ce qui m'appartient, j'arrache, je récupère tout. C'est spirituel. Et ce que tu prononces, la Bible dit, dans ta langue, il y a la destruction. Il y a la destruction, il y a la vie, il y a la vie. La vie, il y a la bénédiction, la malédiction. Donc lorsque tu prononces cela, tu récupères automatiquement. Je récupère ma santé. Je récupère ma santé. Je récupère ma bénédiction. Je récupère tout ce qui m'appartient. C'est spirituel. Mais tu vas t'étonner des mois. Tu commences à. Tu vois que ta vie a changé. C'est la prière que tu as payée. Tu as oublié. Mais parce que Dieu ne t'a pas montré ça. Mais vient se matérialiser. Alléluia. Donc ceux-là qui n'ont pas de racine, ce sont les chrétiens qui ne savent pas. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont venus à l'église. Là où c'est Jésus. Vas-y. J'étais hospitalisée, il y a une dame que j'ai fait la rencontre là-bas, elle est ma moitié camerounaise, moitié bénie de la Réunion. J'ai eu à cœur parce que bon, quand je vous avais demandé des t-shirts en plus, je portais des t-shirts parce que l'autre était déjà gâté avec des taches. Donc je portais ça et puis les gens me regardaient pour dire que non, attends, elle croit que un t-shirt de Jésus revient, c'est qui Jésus? Donc il y a une qui a commencé à me poser des questions. Maintenant, j'ai parlé à l'autre, j'ai dit, je lui ai parlé du langage. Je lui ai parlé du langage, parce qu'elle disait, elle donnait des paroles, elle donnait des mauvaises paroles. Par exemple, elle est en train de parler d'un homme, elle parle de sexe, de je ne sais quoi. Et quand elle a vu que je n'étais pas contente de ce qu'elle disait, elle m'a dit, oui, Ruth, je sais que je parle mal, mais c'est ma façon de parler. Je dis, comment ça, c'est ta manière de parler alors que tu es devant les gens, tu es en train de parler de sexe d'un homme, tu es en train de parler de je ne sais quoi. Ouais. Donc, elle m'a donné son numéro. Et quand elle m'a donné son numéro, je lui ai dit, je vais encore voir, je vais encore essayer de voir si réellement cette fille veut changer. Parce qu'on a parlé vraiment en profondeur, elle m'a raconté ce qu'elle a eu. Et je lui ai fait comprendre que même si tu as eu des douleurs, même si tu as eu des péripéties, quelqu'un d'autre peut te parler pour que tu changes de vie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Alors que moi, je revenais parce que j'avais eu une permission, je revenais de la maison. Elle m'appelle pour me dire que voilà, moi je dois lui acheter une bouteille de vodka. Je lui ai dit, mais tu sais, l'hôpital là, quand ils vont voir que c'est la vodka que tu vas boire là, s'il y a une seule personne qui te voit, tu vas rester en hospitalisation. Elle n'a pas voulu m'écouter. Un jour, elle m'appelle, elle pleure. Oh voilà, on m'a trahi que j'ai pris de la vodka. J'ai dit, mais déjà, tu sais, moi je t'avais parlé, tu m'as dit que parce que je suis, elle a dit quoi? Que je suis une sœur. Parce que mon langage montre que je suis une sœur. Et ils ont dit qu'elle va rester là-bas parce qu'elle avait emmené la vodka. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais attends, pourquoi la fille n'a pas compris ce que je voulais dire? Jésus n'est pas comme ça. Si elle avait laissé le fils un peu de temps pour que Jésus arrange sa vie, elle ne devait pas faire ce qu'elle a fait. Elle est sortie de l'hôpital. Elle m'appelle encore, voilà, Ruth et tout, je lui ai dit, tu sais, moi là, ma vie là, si je te raconte tout ce que j'ai vécu, tu vas crier. Je dis donc là, maintenant là, stop, c'est stop, je l'ai bloqué.
Je l'ai bloqué parce que je n'aime pas le langage des personnes qui sont vicieuses, qui sont bizarres. Alléluia. Une personne qui a 37 ans, elle a une fille de 30, de 16 ans, elle parle du langage. Après la méditation, on va. Elle parle comme si elle était une prostituée, dans le grand sens du terme. Donc moi, je n'ai même pas voulu écouter, je l'ai bloqué. Amen, amen. Est-ce que j'ai mal fait ou j'ai bien fait? Amen. Ça, on va parler. Alléluia. Amen. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle a besoin de témoignage de ce qu'elle a vécu. Alléluia. Soyez concentrés. Alléluia. Amen. Nous sommes au verset 14. Ici, nous parlons de la semence. Alléluia. Amen. Au verset 14, nous dit, ce qui est tombé parmi les épines. Nous sommes au quatrième groupe. Et troisième groupe. Ce sont ceux qui, ayant attendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. Et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et il ne porte point de fruit qui vient en maturité. Alléluia. Donc ici, on a vu le troisième groupe. La Bible dit quoi? La Bible dit que non, c'est ceux-là qui ont reçu la parole. Parmi les épines. Mais qui la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Alléluia. Amen. Donc, le troisième groupe, c'est ceux-là qui ont reçu la parole dans les épines. Ça veut dire qu'ils ont reçu la sémence. Ils ont reçu la sainte doctrine. Parce que la parole du royaume, c'est la sainte doctrine. Ils ont reçu la sainte doctrine. Mais, les soucis de la vie, les soucis de ces siècles-là, étouffe la parole qui a eu. La richesse étouffe la parole en eux. Les plaisirs de la vie. Ça veut dire qu'ils ont encore les yeux de la chair. Amen. Parce que lorsque tu as les yeux de la chair encore en toi, qui te fatigue, que toi-même tu ne fais même pas l'effort, ça vient étouffer la sainte doctrine qui est en toi. C'est pour cela, à chaque moment, les œuvres de la chair, là, ne jouent même pas avec ça. C'est ça le dépouillement intérieur. Là. Alléluia. Parce que les choses de ce monde, c'est pour cela, les soucis de ce monde, les soucis de ce siècle, ne doivent pas monter, ne doivent pas nous dominer. Alléluia. La richesse de ce monde ne doit pas nous dominer. Va au Seigneur Jésus-Christ. Pour les plaisirs de la vie, on appelle ça la séduction. Alléluia. Donc lorsqu'il y a la séduction, l'ennemi est déjà présent. L'ennemi est déjà actuellement, tu es déjà ciblé. Tu es ciblé. Alléluia. Voilà pourquoi cette parole revient encore. Tu as dit, je sais que tu as déjà lu. Mais cette parole est bien encore comme l'eau qui attend d'arroser la graine de maïs que tu as plantée, qui doit gêner, qui doit croître. Donc cette parole encore revient pour venir te réveiller. C'est dans quelle position tu es? Le premier groupe jusqu'à quatrième. Parce que pour le moment nous sommes citoyens. Alléluia. Parce que lorsque tu as les plaisirs de la vie encore à toi, c'est la séduction. Oh, le diable, c'est la séduction. Les œufs de la chair sont encore en toi. Alléluia. C'est pour cela que nous avons dit ici, si tu sens quelque chose, il ne faut pas avoir honte. Nous sommes des familles. Parle. Le Père de Dieu va élever la voix. Amen. Regardez, je vous dis quelque chose. Peut-être on décrète peut-être un moment de prière, on dit, ah Seigneur, on va prendre un temps de jeûne. Le Seigneur est le courant déjà.
En fait, tout se passe dans le monde spirituel. Voilà pourquoi l'ennemi, là, quand il y a quelque chose, un programme net, là, et aussi, pour les mêmes pas que la bière monte. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi faisons vraiment très attention. Ne laissons pas les choses de ce monde, la chair, nous dominer. Là au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On vient au quatrième groupe. Nous avons enseigné ici, nous avons dit selon le livre de Jean, chapitre 8, ça va dire verset 36, qui dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et nous avons comparé ce verset à quatre groupes de ce qu'on attend de lire aujourd'hui. Ceux-là, ils disent, je connais Jésus. Ceux-là, ont reçu Jésus, mais qui ont encore les choses du monde encore sur eux. Mais ceux-là qui connaissent Jésus, mais qui ont encore les yeux de la chair. Maintenant, ceux-là qui sont réellement libres, c'est ceux-là nous allons parler maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai lu au verset 15. Ce qui est tombé dans la bonté, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent les fruits avec persévérance. Ici, on parle de ceux qui ont reçu la parole dans la bonté. Et la Bible dit, ce qui est tombé dans la bonté, ce sont ceux qui ont attendu la parole avec un cœur honnête. Avec un cœur honnête et bon. Avec un cœur honnête, ça veut dire qu'on tient la parole sur la bonté, c'est ceux-là qui ont un cœur honnête et bon. Or, lorsqu'on parle de cœur honnête et bon, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Or, lorsque ceux-là qui ont le cœur pur, c'est ceux-là qui ont le cœur honnête et bon. Ça veut dire qu'ils ont le cœur d'enfant. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est ceux-là qui ont le cœur d'enfant. Un cœur de pauvre. Parce que si tu n'as pas ça, la parole ne va pas tomber. Ça tombe, ça descend. Or, lorsque regardez les planteurs, lorsqu'il met l'eau, la terre avale sur l'eau. Il avale l'eau. C'est pour qu'il puisse avoir la racine. Alléluia. Mais toi, si tu n'as pas racine, l'eau la tombe où? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il faut te mettre à la position de la terre qui avale l'eau à chaque moment que le planteur arrose. Alléluia. Parce qu'il dit, lorsque la parole tombe dans la bonté, alléluia. La Bible dit que non, c'est ceux-là qui ont le cœur honnête et bon. Et puis il a dit quelque chose, la retient. Ça y est, la parole tombe. Tu as la racine. Tu dois retenir. Or, retenir, c'est de mettre en pratique. Lorsque tu retiens et tu portes des fruits, la Bible dit quoi? Avec la persévérance. Ça y est, la parole qui était plantée en toi, ça doit grandir à chaque moment. Parce que nous sommes sur terre. Nous attendons de marcher. Comme Pierre qui attend de marcher vers Jésus. Qui attend d'aller vers Jésus. Qui est allé croiser Jésus. Donc c'est la même chose avec un persévérant. La parole qui a été semée en toi, tu dois le récupérer. Et persévérer dedans. Regardez ce que la parole de Dieu a dit selon le livre de Luc 21, 19. Luc 21, 19. Par votre persévérance, vous recevrez, vous sauverez vos âmes. Vous voyez? Donc, sans la persévérance, on va rentrer au ciel comment? Vous voyez que la marche est dure. Hein? La marche n'est pas facile. Alléluia. C'est pour cela, toi qui as reçu la sainte doctrine, toi qui connais la sainte doctrine, les enfants, écoutez aussi, vous qui connaissez la sainte doctrine, ne dites pas que oh, la sainte doctrine est dure,
La sainte doctrine est dure. Oh, la sainte doctrine est dure. Je n'arrive pas à porter pantalon. Je n'arrive pas à porter ça. Non. Hey, John. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est bon d'attirer les enfants vers ce qu'on appelle. Alléluia. C'est important. Oui, la sainte doctrine est dure. Mais c'est pour que ton âme soit sauvée. Oui, maman. J'ai envie de porter pantalon. Maman, j'ai envie de porter. J'ai envie de mettre des rouges à l'œil. Non, il ne faut pas mettre ça. Alléluia. Regarde, Jésus t'a créé naturel. Regarde, ça vient. Regarde. Voilà Adassa. Regardez Adassa. Les enfants, regardez Adassa. Est-ce que Adassa a rouge à lèvres? Non. Non, 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 les enfants, les enfants. Est-ce que Adassa a rouge à lèvres? Non. Non, je n'ai pas entendu. Non. Est-ce que Adassa a maquillage? Non. Est-ce que Adassa a boucle d'oreille? Non. Est-ce que Adassa a porté pantalon? Non. Voilà. C'est comme ça Jésus veut. Qu'est-ce qu'Adassa a porté? Une robe. Voilà. Donc c'est ça. C'est comme ça Jésus veut. Jésus veut pas rouge à lèvres. Rouge à lèvres, c'est pour le monde. Rouge à lèvres, c'est comme sucre qui attire les démons. Et oui, aussi quand, et aussi c'est quand c'est rouge et le parfum rouge à lait, c'est rouge. D'accord. Donc, soyez comme ça. Même les habits aussi sexy. Oui, c'est vrai, les habits sexy. Ah, je vais m'essuyer un peu. Aussi, les habits. Attends. Donc, les habits sexy, on ne les met pas. Parce que quand tu regardes, quand tu mets des habits sexy, quand tu commences à faire comme ça, non. Les garçons, ils te regardent. Oui, c'est comme ça. Les enfants, est-ce que vous avez écouté? Oui. Bon, c'est Lémi et puis Ruth qui sont plus grands. Et je sais que les d'autres aussi. Regardez, quand tu mets habits sexy, quand tu commences à faire comme ça, tu es collé, tu ne peux même pas faire comme ça. Mais tu es collé, tu es comme ça. Donc les garçons, ils te regardent comme ça. Oui, c'est ça. La sainte doctrine, c'est pour que vous puissiez aller au ciel. Pour que Jésus vienne vous chercher un jour. Alléluia. Ne mets pas bout d'oreille. Ne mets pas maquillage. Ne mets pas phare. Et aussi, on va aller en enfer. Ah, bah oui, c'est ça. Dans le feu. Voilà. Merci. Donc, c'est ça. Donc, nous devons retenir la parole. Alléluia, c'est important. Chaque dimanche aussi, d'attirer l'idée des enfants. C'est ce qu'on a tout dit. Pas que s'ils vont sortir comme ça, pour lui dire, ah, quelque chose comme ça. Donc, tout ça reste ici. Parce que les enfants, ils les tiennent. Oui, parce vite. Que sans vous couper la parole, quand j'étais assise avec Grâce, elle a vu quelque chose et puis elle m'a dit, non, ça, c'est pas bon. Voilà, donc c'est ça, les enfants les tiennent beaucoup. Elle a vu une femme maquillée. Une femme qui peut maquiller. Elle a dit ça là, c'est pas bon. Donc c'est ça. C'est très important. Donc la parole doit tomber dans la bonne terre. Amen. Doit produire les bons fruits. Amen. Et lorsque cette parole descend, amen, tu dois retenir la parole. Mais qu'est-ce que ça doit faire en toi? Ça doit produire les bons fruits. Mais avec quoi? Avec persévérance. Parce qu'en persévérant, c'est là que tu vas sauver ton âme. Amen. Et ceux-là aussi qui sont autour de toi, tu vas les sauver. Amen. Alléluia. Parce que regarde, tu as connu la sainte doctrine, ça fait quoi ça? Ça fait combien de temps? Tu arrives à 5 ans, tu dis, ah Jésus, Jésus n'est pas encore arrivé. Demain, j'ai envie de retourner encore. Mais ceux qui t'ont vu hier, mais ma soeur, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quel enseignement tu as donné à la personne? C'est ça. Alléluia. Persévérons. Persévérons. C'est très important. Regardez ce que la parole dit selon le livre des Actes. Je vais le lire rapidement. Acte 2. On va terminer avec ça. Acte 2, chapitre 44. Non, 42.
Acte 2, 44. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient les nourritures avec joie et simplicité de cœur. Le Seigneur veut la simplicité. Dans notre marche là, le Seigneur veut la simplicité. Quand la croisée, maman, il dit, maman, regarde, de la manière que tu as vu là, il faut venir comme ça. Ce n'est pas l'église où on fait mode, où on doit montrer que je suis porté. Non, ce que tu as porté là, viens à l'église avec ça. Dieu ne regarde pas ton habit. Non. Dieu ne regarde pas peut-être que tu t'habilles, voilà, tu veux déranger toute la salle. Non. Simplicité. Si vous n'êtes pas belle comme ça, vous êtes belle. Oui. Le plus important, c'est de rentrer au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Même pour porter jupe, même que. Peut-être qu'il a fait même 10 ans. Viens. C'est pas ça, le Seigneur regarde. Alléluia. Amen. Parce que eux, quand moi je descends dans l'église, il y a une maman qui est descendue à l'église. Non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Là au Seigneur Jésus. Amen. Et dernier passage, il dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais lorsque nous sommes un, nous marchons un, nous avons le même langage, le Seigneur lui-même, il ajoute à l'église. C'est le Seigneur lui-même qui fait ça. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes un, automatiquement, vous allez voir que le Seigneur lui-même, il va commencer à tirer. Parce qu'il faut que l'église soit un. Il faut que le langage soit un. Le parler doit être un. C'est là que le Seigneur va ajouter. Parce que si nous avons le langage différent, lorsque le Seigneur va ajouter à l'église, toi tu vas déposer le langage, elle va déposer le langage. Mais la personne est tombée. Est-ce que vous vous rappelez, je crois qu'on avait évangélisé. Vous vous rappelez, j'étais avec vous et ma femme. On avait évangélisé et j'avais invité maman musicienne. Où on avait croisé une âme où elle était fatiguée. Amen. Voilà. Elle était fatiguée même. Elle nous a expliqué tout ça. Je ne sais pas comment le Seigneur aussi nous montrait ce qu'elle vivait, tout ça. On a dit, mais comment vous savez des choses comme ça? Vous voyez, quand on était assis, les chats de boule, on a commencé à parler. Moi, j'avais invité la maman parce que j'ai vu les ailes de cette maman-là. Tu la voyais. Tu vois quoi? Donc, j'ai vu les ailes de cette maman-là. Je l'ai invité. Il est venu évangéliser avec nous. Même venu à l'église. Je l'ai invité. Quand je l'ai invité, où nous avait déjà avancé avec cette âme-là, parler, comprendre. Elle dit, elle allait se baptiser dans le catholique. On lui a parlé, on lui a expliqué. C'était Marie. Oui. Maria. Oui, c'est ça, Yolicia. Il ne sait pas qui l'a appelé aussi. Non, la blanche. La blanche, la Marie. Voilà. Donc, automatiquement, la maman vient et dit, ah bon, il y a une âme qui est. Automatiquement, donc, dès que la maman est venue là, tout ce que nous avons semé, deux soeurs, trois soeurs, elle commence à trembler. Mais comme on est dans la rue, moi, elle fait comme ça, là. C'est feu en même temps. Quand tu fais les prières, j'envoie le feu, l'esprit qui est en toi doit sortir en toi. Mais comme on est dans la rue, et puis, il y avait une âme qui est là. Parce que quand il y a moyen d'envoyer le feu, il va dire, mais attendez, mais vous êtes du feu. On laisse une âme, c'est surtout on envoie le feu.
Voilà pourquoi les choses, on a fait tranquillement. Mais la maman a changé automatiquement sur le baptême au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Voilà où tu as gâté tout. Donc la doctrine était différente. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous sommes un, le même langage, le même parler, automatiquement vous allez voir, Jésus sait que mes enfants sont un. L'amour règne, il ajoute. Parce que lorsque la personne qui va venir, il va aller chez moi, gâte, la même chose, la même chose, la même chose. C'est là, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer au milieu d'eux. Mais dès que le moment gâte dit que hey, ce que tu portes à Dieu n'est pas ça, Dieu veut que tu te baptises au nom de Jésus. Et qu'il vient chez moi, que ça change. C'est fini. On est dans l'église d'un même endroit, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on soit un, pour qu'il ajoute à l'église comme des temps des apôtres. Parce qu'ils étaient un, ils mangeaient ensemble. L'amour était là, la paix était là, la joie était là. Par eux, le Seigneur les utilisait pour faire des miracles, des prodiges. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons comme ça. Alléluia. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons fini. Je vais prendre le dernier verset et puis on va terminer. Je prends le livre de Hébreux chapitre 10. À partir du verset 36. Je lis rapidement au nom de Jésus-Christ. Car vous avez besoin de la. Vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli. Je suis dans le livre de Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc nous devons faire la volonté de Dieu. C'est le plus important pour nous. Père de Dieu, je vous dis, il faut que maintenant on change. C'est-à-dire qu'il faut qu'on doit aller dans une autre dimension. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure que quand tu acceptes, va te piquer. Accepte. Quand elle va te piquer, accepte. Pourquoi? Parce que tu vas aller dans l'autre dimension. Parce que si l'ennemi sait que toi là, quand tu fais ça, il sait que toi là, tu n'es pas encore, tu n'as même pas encore, tu n'es même pas encore arrivé. Donc quand là où on te pèse là, c'est là-bas qu'il va attaquer tout le temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça veut dire toi, dès qu'on te parle mal, tu te mets à coller automatiquement. Il sait que toi, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre les dégâts dehors. Ils vont te faire tout le temps, la même chose. Mais si tu n'as pas sorti de là, bon, moi j'ai déjà dépassé ça. L'ennemi va tout chercher. Il ne va pas voir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la parole qui descend doit rester. Doit rester. Faisons le fort. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais faisons le fort. Soyons un. On n'est pas nombreux, mais soyons un. Parce que lorsque le Seigneur va commencer à envoyer les gens, tout ça là, ce n'est pas le jour là que tu as commencé à mettre la parole bien en pratique. Ou mais ce n'est pas le jour là que tu as dit, ah, mes soeurs, venez maintenant. Non, ce n'est pas ce jour là, c'est maintenant. Parce que oui, je vous dis en même temps, c'est une prophétie que le Seigneur juste s'attend. Ce n'est pas le jour où le Seigneur va envoyer ses enfants, tu vas voir deux personnes, trois personnes, tu as dit, ah, monsieur, venez maintenant, c'est comme ça, on va faire maintenant. Non, fais maintenant. Amen. On fait maintenant. Alléluia. Amen. Il faut qu'on soit un. Pour que le Seigneur envoie ses sécurités. Vraiment, regardez en Bretagne ici. Regardez en Bretagne ici. Il y a beaucoup d'âmes. Mais, ils sont malades. Ils sont malades, on a croisé une maman hier. Il dit, maman, que le Seigneur vous bénisse. Il dit, moi, je suis Kim Banis, non? Branamix. Non, Kim Banis, moi. C'est qui porte un verre, c'est les gens qui s'appelaient Kim Banis. Elle dit que l'église évangéliste, il nous la puisse encore. Et maman, pardon, explique-moi un peu, moi je vais comprendre, moi j'aime attendre. Explique-moi, moi j'aime ça. Elle dit non, que il n'aura plus ça, l'église évangéliste. Je dis, mais qui nous a dit ça? Il ne sait pas, il a dit si c'est Kibanis qui a dit. Kibangou. Ah bon, je ne connais même pas le nom. Donc il a dit ça. Il dit, non, le Dieu. Il dit, qui est Dieu?
Il dit, nous aussi, on lit la Bible. Hein. Il dit, mais qui est Dieu? Il parle de l'homme. C'est qui m'a dit ça, qui est Dieu? Qui est Dieu? Donc, il appelle qui va. Simon. Voilà. Merci, maman. Voilà, il a dit Simon. Voilà, il a dit Simon. Le nom là même, c'est ça, Mima. Elle a dit Simon. Simon est Dieu. Il dit, maman, attends, attends. Elle est en colère. Il a dit simplement, elle est en colère. Il est allé prendre stylo pour lui, pour donner le numéro à papa. Elle est en colère. Il dit, maman, attends, attends. Maman, regarde, regarde, mon frère. C'est ton frère. Calme-toi, tiens, il est parlé. Oui, parce que c'est ça d'abord. C'est toi qui t'es libre. Homme de Dieu. Je ne sais pas, il demande, non. Est-ce que je vais. Ils vont te dire, lis la Bible. On dit l'homme est Dieu. C'est ça, voilà pourquoi nous devons élever la voix. Pour prier, pour nos frères, pour nos soeurs. Parce qu'ils sont retenus captifs. Ils sont enchaînés, envoûtés dans toutes ces églises-là. Alléluia. Voilà pourquoi quand il vient ici-là, c'est Dieu. Mais il faut accepter. Même la maman qui s'est fâchée le samedi dimanche passé, on a trouvé là. Moi et l'homme de Dieu, il a parlé. Exactement. Vous voyez? Donc c'est ça. Et Dieu voit tout le monde. Mais le Seigneur l'a envoyé vers nous. Parce que quand on sort là, au moins sans musulman, on est différent. Amen. On est différent. Parce que le message qu'on prêche, c'est différent. Or, ce message-là, ce n'est pas nouveau. Depuis l'église primitive. Mais les gens n'enseignent pas ça. Quand d'autres croient ça, ils se disent, mais attends, c'est pas beaucoup ça. Alléluia. Persévérons. Persévérons dans la prière. C'est très important. Voilà pourquoi tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père éternel, j'ai écouté ta parole. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Parce que je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, que ta parole que j'ai écoutée, ou que j'écoute tout le temps, tombe dans les bonnes terres, afin qu'il produise les bons fruits dans ma vie. Seigneur Jésus, aide-moi à persévérer. Aide-moi à persévérer dans ton enseignement, dans ta parole, afin que je puisse obtenir ta miséricorde pour rentrer au ciel, pour être sauvé et pour sauver ma famille. Seigneur Jésus, remplis-moi de ta parole, remplis-moi de ta parole, Seigneur Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Ne permets pas à l'ennemi de venir récupérer ou de venir retirer la parole qui était semée à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de guerre. Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons passer aux offrandes maintenant. Il chante. Jamais,
jamais, jamais ne te comme toi, jamais, jamais ne te comme toi, jamais, jamais il y aura de Dieu comme toi, éternel Dieu, jamais, jamais il y aura de Dieu comme toi, éternel Dieu, jamais, jamais ne te comme toi, jamais, jamais ne te comme toi, jamais, jamais ne te comme toi. Jamais.
Alléluia. Amen. Nous allons prier. Quatre cafés. On va couler après. Seigneur Jésus, merci encore ton peuple, Seigneur, qui sont venus apporter à ta maison, Seigneur. Bénis toutes les mains, Seigneur, qu'ils ont apportées, Seigneur. Bénis aussi toutes les mains que nous avons apportées, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, qui sont venus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Donc, s'il y a un témoignage, ou s'il n'y a pas, on va prier pour la fin. Amen. Amen. Seigneur, nous nous levons. Seigneur Jésus, Père éternel, Seigneur. Voici, Seigneur, que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Que pouvons-nous dire, Seigneur? Merci, Seigneur, encore, Seigneur. Pour ta présence, Seigneur. Merci encore pour ta nourriture, Seigneur, que tu nous as fournie aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Pour ton serviteur, Seigneur, qui l'a donné, Père éternel. Bénis chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, cette semaine qui vient, Père éternel, est devant toi, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Nous te la confions encore, Seigneur. Aussi nos enfants, Seigneur, qui vont aller à l'école, Seigneur. Seigneur, garde-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur, pendant cette semaine encore, Seigneur. Chacun de nous, Seigneur, soit protégé, Seigneur, par toi, Père éternel, par ton sang précieux, Seigneur. Accompagne-nous maintenant, Seigneur, chacun dans nos demeures, Seigneur Jésus-Christ. Qui va prendre les transports, Seigneur, les voitures, Seigneur. Oh, Seigneur, protège-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur, et l'honneur, Seigneur, en éternité d'éternité. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, shalom.